il y a 5 ans, on en a déjà parlé au bureau, il y a 5 ans quand on a repris le club, il y avait une dette qu'on n'a aujourd'hui pas encore bouchée. Et donc le transporteur fait partie de ces dettes. Donc on a roulé pendant des années en lui devant de l'argent. Donc je ne vois pas aujourd'hui, en devant de l'argent à quelqu'un, aller voir ailleurs. Je veux dire, pour moi c'était impossible. Maintenant, une fois qu'on sera à l'équilibre, on aura tout remboursé, pourquoi pas. Mais voilà pourquoi aujourd'hui le transporteur, le brasseur, c'est les parties où on devait plus d'argent, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas changer. Il faut savoir qu'on est passé de... Oui, le budget bus, quand on a repris le club, c'était à peu près 9 000 euros. Aujourd'hui, on a 40 000 euros de bus. Parce qu'évidemment, on a toutes les catégories, on a tout le monde qui part, on prend les bus, donc oui, ça coûte cher. Dans les bus, quand ils restent sur la place, ils doivent demander aux supporters de participer au plus et qu'ils vont en plus. Peut-être oui. Alors ça sera discuté, mais effectivement, par rapport aux jeunes, c'est peut-être une solution. Quand il y a plus de jeunes qui partent, s'il y a des parents qui veulent suivre, on peut faire payer la place. Mais je pense que pour des seniors, partir avec des supporters avant un match. Et pour les jeunes éventuellement. Alors, pour les filles, on a souvent pris des plus petits bus. On est au prorata des nombres de licenciés. En fait, quand il y a plus de cadets qui part, sinon on divise le prix en nombre de joueurs et on paye par rapport au nombre de joueurs. Mais à savoir que sur la totalité d'entente, en termes d'effectifs, on est presque à l'équilibre, à quelque chose près. Donc on pourrait faire diviser en deux. Mais alors effectivement, sur les juniors, on est plus nombreux. Mais sur les 14, on n'en avait que 6 et eux, ils en avaient 20 et quelques. Donc sur l'ensemble, ça se voit. Mais ils payent les frais comme... D'autres questions? Du coup, on va passer à l'élection du bureau et après on vous donnera des infos sur le fonctionnement sur l'année prochaine, sur ce qu'on va mettre en place. Il y a des choses qui vont changer sur la formation, sur les seniors, sur tout le club. Donc on va passer à l'élection du bureau. Oui, démission, ouais. Oui, mais voilà, c'est une démission. Donc sur le bureau actuel, donc on est tous là, bon il manque mon père. Donc mon père démissionne. Après qui c'est qui démissionne? Oui ou non? Tout le monde démissionne. Le règlement veut que tout le monde démissionne. Donc, qui se présente au bureau? Tu veux bien? Tu lèves la main? Tu vas assis? Vas assis? Oui, pardon. Ok, donc je cite les noms quand même parce qu'en fait, si quelqu'un a quelque chose à dire, vous devez le dire. On va citer les noms, donc dans l'ordre, je vais faire là-bas, donc Nathalie Danès. Quelqu'un a un problème avec ça? À part Jérôme? Magali Mons. Albert Mons. Comment tu veux? Magali Mons. Albert Magali Mons. Vincent Murat, Xavier Dechâtre, Frédéric Boile, pardon. Xavier Dechâtre, Michel Pansilly, David Dumas et moi-même.
Et Robert Rivière, qui n'est pas là, est aussi candidat. Des bisous, Benoît Bijan, bien sûr, dont on n'a pas évoqué l'absence, mais qui est surchargé de boulot en ce moment et il n'a pas pu se libérer. J'ai oublié personne. On doit se retirer 5 minutes, 10 minutes pour s'aligner, je pense, pour lire le. Donc le bureau a procédé à l'élection. Les rôles seront ainsi, sachant qu'il y a un nouveau membre au bureau qui s'est. En fait, je n'avais pas vu lever la main tout à l'heure, et du coup, je dois quand même le citer. Donc c'est Lucie Serin. Qui s'est voilà, qui était candidate au bureau. Là, voilà. Donc il n'y a pas de souci avec elle sur le fait qu'elle soit membre du bureau. Oui. Ok. Donc ben, pour l'instant, donc, elle n'a pas de rôle défini puisque on vient d'apprendre qu'on n'a pas encore discuté avec elle sur ses missions. Donc, là, pour le reste, vous le savez, c'était dans les tuyaux depuis quelques mois, puisque Didou vous avez envoyé un message, nous avons envoyé un message à tous. Didou va se concentrer sur la formation. Moi je voudrais dire un mot à propos de Didou. Parce que ce moment va marquer aucune révolution, juste une continuité, mais je voudrais dire les mecs qui ont joué toute leur vie dans un club, qui reprennent à bout de bras un club au fond de la gamelle, et qui arrivent à le mener là où on est aujourd'hui, moi je dis chapeau. Et avec avec du courage, avec du respect, et je pense que. On ferait bien tous de prendre, pardon, je sais que tu ne vas pas aimer ça, mais de prendre exemple. Si, si, je le dis. Si, 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 si. Si, si. Parce que, on sait tous, il y a beaucoup de sceptibilité dans un club. Et que la clé, on sait tous, c'est que pour que ça marche, c'est qu'on n'oublie jamais que la chose la plus importante, c'est le club. Et pas les individus. On peut se fâcher toutes les semaines, on a des raisons de se vexer toutes les semaines. Didou, il en a eu 452 000 des raisons de se vexer, de dire allez vous faire foutre. Parfois, il a dit. C'est arrivé. Mais il est toujours là. Il est toujours là. Toujours là. Et moi je dis chapeau et je voudrais qu'on l'applaudisse très fort. Autre chose que je veux dire, c'est que si moi je me suis engagé, c'est parce qu'il y avait quelqu'un comme Didou, c'est parce qu'il y avait Bisou qui n'est pas là ce soir. Et je sais que parfois, quand on oublie que les dirigeants, ils sont aussi bénévoles comme les autres, ils ont aussi des familles comme les autres, ils ont aussi des boulots comme les autres, et que si on n'avait pas été trois, on est bien sûr plus que ça, beaucoup plus que ça, mais sur à porter le poids un peu de... Je pense pas qu'on y arriverait. Je pense pas qu'on y arriverait parce que c'est très dur, c'est éprouvant, mentalement, physiquement. Ça joue sur nos boulots parfois, on met en péril nos boulots. C'est la faute de personne, hein, c'est nous qui choisissons. Mais je veux dire que le fait d'être à trois, et que parfois, il peut arriver que vous en voyez un peu moins, parce que juste, en fait, il doit récupérer. Et la clé, c'est un message que j'envoie à tout le monde, pour durer, il faut aussi accepter que des gens, parfois, dans les bénévoles, ils fassent un break. Et moi, ce que je demande, c'est que les gens n'aient pas peur de faire un break. Parce que parfois on s'en a un peu honte, j'y vais pas là, j'y vais pas là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ou alors je vais prendre une remarque, ah on t'a pas vu depuis un mois toi, machin. Non, ben non. Mais si on veut durer, la clé de la pérennité, c'est d'accepter que par moment les bénévoles lèvent le pied. Et qu'ils restent chez eux en famille. Voilà. Et moi ce que j'invite à faire, c'est de le dire surtout. Avant que ce soit trop tard, avant que vous en ayez plein le cul et que vous arrêtiez, parce qu'on a besoin de vous tous. Donc n'ayez pas peur de dire, n'ayez pas honte de dire. J'ai besoin d'un break, mais prenez-le. Restez chez vous, profitez des vôtres un moment pour
justement revenir avec de la fraîcheur et apporter, continuer à apporter à ce club, parce que si vous êtes là, c'est que vous aimez ce club, et que vous aimez le rugby, et vous aimez faire partie des associations. Et pour tous, là, vous avez des compétences à porter. Donc, surtout, n'ayez pas honte de le dire, n'ayez pas peur de le faire, et surtout communiquer. Voilà, dites-le, qu'on s'organise. Et moi, ce que j'invite les autres, parce que je sais que ça se fait, à respecter aussi ceux qui prennent un break de temps en temps. Parce que, on l'a vu, hein, on a vu des gens souffrir à la maison de leur engagement. Voilà, et ça, c'est pas un club sain, c'est pas un club pérenne. Donc voilà, c'est le message que je voulais faire passer là-dessus, sur ce sujet-là. Donc, Bisou, il continuera avec vice-président, responsable d'un groupe pôle. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il fait tout, hein, mais qu'il est en tout cas responsable du pôle administratif festivité, dans lequel il reste à trouver la personne qui remplacera Séverine, un rôle important qu'elle menait de fédérer tous les bénévoles, qui est un rôle indispensable, qui est toujours indispensable au club. S'il y a des candidats, on les invite à se manifester. On a discuté avec des gens, pour l'instant, voilà, on n'a pas trouvé, mais c'est un rôle absolument clé dans, vous l'avez vu, l'importance des festivités chez nous, dans notre projet, donc c'est absolument indispensable. Oui, je vais le dire après. Donc il y aura un pôle secrétariat composé de Frédéric Boile et de Magali Alpermons. Voilà, donc Frédéric Boile plutôt sur la partie administrative du secrétariat et Magali sur la partie sportive du secrétariat. Le séparer le secrétariat, c'est un poste extrêmement important. Et aujourd'hui, dans notre club, un seul secrétaire, c'est pas suffisant. Il faut répartir les missions entre plusieurs personnes. C'est aussi ça la clé de la pérennité de la structure. Sur la partie trésorerie, donc Nathalie Danès sera trésorière, accompagnée par Michel Passini, qui s'occupera de la partie logiciel, compta, des fournisseurs. C'est bien ça. Et Nathalie gérera tout le reste. Bien sûr, en équipe. Je le dis aussi ici. Mon père, puisque c'est mon père, nous file un coup de main, depuis quelques mois, et bien utile. Sans le coup de main qu'il nous a filé, on n'aurait pas pu monter le business plan qu'on a fait avec Cabinet Hoche, expert comptable qui nous accompagne dans ce travail. L'idée, c'est pas que c'est aussi qu'il puisse continuer à s'occuper de ses tomates. Donc, l'idée c'est aussi de transmettre dans l'année qui vient à la personne qui le remplacera l'année suivante. Voilà. C'est en tout cas le plan. Sur la partie, vous savez aussi c'est un poste très important, la partie tout ce qui est sponsoring et développement. Donc Xavier Dechaffre, et puis rejoint par Vincent Murat, que vous connaissez pour certains. Vincent, c'est un ancien joueur du club, génération 78. Vieille famille terrassonnaise et qui depuis le début du projet est partenaire du club, et puis à force de voir des canons au club et de trouver ça bien sympa, et puis parce que voilà, il est d'abord rentré au Saint-Sour d'ailleurs, voilà, d'où l'importance des Saint-Sour, et puis voilà, il a envie de s'investir pour sa ville aussi, et voilà, il est un peu comme nous tous, très attaché, merci de nous rejoindre Vincent. Voilà donc Robert Rivière, pardon, que je n'ai pas cité aussi, qui fera partie de ce pôle développement. Vous savez que on peut déjà commencer à l'évoquer dans les projets de... Et puis donc moi, président. Voilà. Et je vais le dire, moi je... En gros, je vais juste rappeler les... aujourd'hui, pourquoi on a souhaité cette évolution, et c'est né d'une discussion dans le respect de chacun, parce que l'an dernier, on s'était dit, trois potes qui décident ensemble, ça marche pas. Parce qu'à un moment donné, on est tellement potes et on a certaines valeurs entre nous. Et du coup, il y a des décisions qu'on ne prenait pas. Parce qu'on n'était pas toujours d'accord. Parce que ça nous bouffait de ne pas être d'accord. Parce que ça nous bouffait encore plus de devoir dire à notre pote, je suis pas d'accord avec toi. Et du coup, il y a des décisions qui ne se prenaient pas. Et c'est le club qui en pâtissait. Donc on a dit une fois. Didou a dit, vas-y toi, j'ai dit non, vas-y toi. Et en fait, l'an dernier, on a Didou, parce que pour nous, c'était
le plus légitime dans le sens où, dans un club comme le nôtre, une association comme la nôtre, le président, c'est celui qui est plus là, de nous trois. Et c'est Didou qui est plus présent au club, pour aussi des raisons professionnelles des autres et familiales. Mais c'est celui qui est plus présent, donc ça nous semblait logique. Et puis, au fil de la discussion, on s'est dit qu'il faut peut-être répartir les missions différemment. Le club a grossi en nombre, en budget, et ça devient lourd à porter. Par ailleurs, il y a aussi des engagements pro et tout ça. Voilà, donc, on a décidé qu'il fallait faire évoluer les missions de chacun. Donc, Didou sera président de notre formation, je l'avais évoqué, je pense. Il faut savoir qu'on est à la fin d'une première phase de notre projet. C'est-à-dire que les trois, quatre premières années, l'idée c'était vraiment de transformer d'abord rapidement l'image du club, qui était quand même pas terrible, il faut se dire ce qui est. Des années en série, même si il y avait des gens qui bossaient au club, etc. C'est une réalité, à l'extérieur, il fallait qu'on fasse des choses qui permettent que le club se repositionne sur la carte du rugby régional. Donc ça c'est ce qu'on a fait avec les événements, et puis les résultats aussi, et puis la communication qu'on a menée. C'est important à court terme d'essayer de changer ça, c'est important. Il fallait poser les bases de notre futur système de formation. Le modèle de recrutement via les écoles, les stages vacances, les campagnes de recrutement en été, en testant des choses, certaines marchent, certaines ne marchent pas. Trouver le modèle aussi quand on parle quels éducateurs, quelle organisation, tout ça prend toujours du temps. C'est pas vraiment parfait, donc il y a souvent des erreurs de prise de passage qui sont naturelles, hein, on essaie des choses, on se trompe. Mais en tout cas, là on arrive à un stade où on a toutes nos catégories, filles, garçons, c'est une première étape de ce projet à laquelle on arrive. Et puis il fallait avoir des équipes avions compétitives le club a vécu, c'est comme ça, c'est son histoire, hein, 117 ans d'histoire, c'est pas que des joies, c'est aussi des belles et des moments difficiles. Le club a passé 10 ans en série quasiment, et donc faut sortir de là, et c'est pas simple. Il y a toute une mécanique à recréer, de rapport au jeu en lui-même, de culture club à recréer. Là, le club recommence à gagner des titres. Humblement, mais l'an dernier, titre école de rugby, les filles, les garçons, cette année, les U16, ben, petit à petit, on commence à dire qu'à un bon niveau, parce qu'on gagne, il faut s'inspirer de ça. Donc, on arrive à. Il y avait une étape aussi qui est importante, c'est de développer les ressources financières du club pour pouvoir financer. Aujourd'hui, on voit à peu près comment on peut y arriver. Il fallait bien 3-4 ans pour ça. Et puis, attirer plus de gens au sein du club, bénévoles, élus, partenaires, vers notre projet. Et là, c'est pareil, c'est en marche avec, comme disait Didou, il y a des gens qui s'usent, d'autres les remplacent. Et c'est aussi ça qui fait partie de la période du club. Je vous rappelle juste qu'il ne faut jamais oublier que notre projet, c'est pas juste monter en fédéral ou que les jeunes partent en voyage, non. Notre projet, la base de notre projet, notre ambition, c'est la pérennité du club. Nous, on s'est dit, on ne veut plus jamais que le club revive des moments où il risque de mourir. Il est trop important pour ça, pour l'environnement social, économique, ce club. Il fait partie des murs. Et nous, ce qu'on veut créer, c'est au maximum en tout cas, c'est la possibilité qu'il soit pérenne, sportivement, économiquement, etc. Donc, on en a parlé, on a décidé ça. Et puis j'ai décidé de cette fois de l'accepter. C'est pas une ligne droite, c'est jamais parfait. Vous savez que ma vie professionnelle et familiale ne va pas changer. C'est-à-dire que je ne serai pas tout le temps là. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas toujours présent dans les faits, en tout cas en coulisses. Mais il faut accepter l'idée dès maintenant que le club sera. Il y aura un président et une équipe. Le président n'est pas là toutes les semaines. Et ça sera reproché au club, peut-être, mais on va évidemment s'organiser de telle manière que ce sera ressenti le moins possible. Quand je ne dis pas là tout le temps, je serai là la moitié du temps quasiment.
et je pense que depuis 4 ans que je suis impliqué, vous savez que je suis très impliqué dans le projet. Donc par contre, il y a aujourd'hui, sauf parce que quelqu'un lève la main et que dise « je le fais », il faut accepter cette solution, voilà, et faire avec. Si quelqu'un est candidat, il n'y a aucun problème. Nous, comme vous le savez, on le fait parce qu'on aime ce club, parce qu'on a envie. Mais si demain quelqu'un arrive avec un projet, on a rien à y gagner, non. On le fait que pour le club et pour notre vie. Donc, ça veut dire déléguer, ça veut dire faire confiance aux gens qui travaillent, ça veut dire être bien organisé, ça veut dire savoir où on va, sur tous les aspects du club. Et puis ça va rouler. Moi, je suis persuadé que ce club est dans la bonne direction. C'est pas une ligne droite, encore une fois. Il y aura d'autres erreurs commises, mais chaque année, on apprend, on continue à construire. Je voudrais signaler à ce stade que d'autres personnes nous rejoignent. Et c'est le moment de parler des objectifs aussi. Nous avons Ali Garaoui, si tu veux bien te lever, Ali Garaoui, s'il te plaît. Ali, qui rejoint le staff des seniors comme entraîneur des avants. Le staff sera toujours composé de Bertrand, Nico, Gilal et donc Ali rejoint. Nous avons souhaité, parce que ça fait partie des choses qui manquaient, le groupe senior n'était pas assez encadré cette année. Il y a une commission senior qu'on a créée avec des anciens qui ont décidé de rester et s'investir auprès du club. Et je les remercie, que ce soit Vincent Mazel, Jérôme Farinier, Olivier Aubry, Fabrice Félicien, Seb Bagnon, j'en oublie. Ouais. Non, je crois pas. Voilà, qui vont s'occuper de tout ce qui n'est pas sportif, j'allais dire. C'est indispensable que le groupe senior, on l'a dit tout à l'heure, soit très encadré, le groupe senior en garçon. Pour les filles, on est encore en recherche d'un entraîneur supplémentaire au sein des seniors. Donc pareil, s'il y a des candidats, n'hésitez pas, ou des idées, n'hésitez pas. Il faut qu'ils soient trois, ça paraît nécessaire. Puisqu'en plus, Chicken va jouer cette année. Donc, Jérôme a besoin d'aide. Donc, si vous avez des idées, ou si vous-même vous voulez. Concernant les seniors, je crois, filles, puisque j'y suis, je pense que sur ce que j'ai vu, sur une grosse vingtaine de filles, une vingtaine. Ouais, une vingtaine de filles. Côté senior garçon, vous l'avez vu, il y a eu quelques départs. C'est la vie d'un groupe, hein, c'est le renouvellement d'un groupe naturel. Certains se reconnaissent plus dans le projet, ils s'en vont, d'autres rejoignent. C'est pas grave, c'est la vie d'un club, on peut pas garder tout le monde. Mais on a aussi des arrivées, et dont une qui nous fait particulièrement plaisir, non pas que les autres nous fassent moins plaisir, on est tous ravis. Mais celle-là, on pense qu'elle est très importante pour le club, c'est aussi Jelal qui nous rejoint, qui revient au club. Merci aussi de nous faire confiance et on compte sur toi pour amener tout ce que tu peux amener à ce groupe, ton expérience et ton vécu, et puis ton amour de la vie aussi, puisque t'es rassemblé. Voilà pour les seniors. L'objectif des deux équipes, c'est de gagner tous les dimanches. Voilà. En tout cas, c'est par ça que c'était à l'esprit là. Le premier dimanche, et puis le deuxième, et puis le troisième. Et puis le quatrième, et on verra où ça nous mène. L'objectif, c'est que Terrasson, que ce soit fini ou garçon, joue toujours le haut du tableau. Voilà. Et qu'on parte avec cet état d'esprit. Je ne dirais pas objectif, maintien, monter, tout ça, c'est pour moi, c'est on est en juillet, objectif, premier dimanche. Puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. En sachant que pour toutes les équipes, maintenant, il faut que ça évolue, il faut que le rapport au rugby évolue. Un club, c'est évidemment une vie sociale très 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 importante, mais c'est les matchs d'abord, c'est l'entraînement d'abord, pour les joueurs en tout cas, parce que c'est ce qui donne, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point nous, bénévoles, la semaine est tellement plus facile quand les équipes ont gagné. Vous ne pouvez pas savoir la dose d'énergie que ça nous met quand ça gagne. Voilà. Donc ça c'est pour les équipes seniors. Je vais passer le micro à Didou pour la partie entente et jeune.
Depuis 3 ans, on est en tente avec le Lardin. Et cette année, on a eu depuis 2 mois un appel du pied de Montignac pour nous rejoindre. Donc ça a fait débat, on s'est rejoint avec les éducateurs, avec les présidents du Lardin, les présidents de Montignac. Cette entente, elle a existé pendant plus de 20 ans, mais il y a pas si longtemps que ça encore. Donc aujourd'hui, on a accepté que Montignac nous rejoigne dans l'entente. Donc l'année prochaine, nous serons 3 clubs, des U14 aux U19. Donc ce qui fait qu'on va avoir des effectifs qui vont être conséquents sur les 3 catégories, avec, je pense, de la qualité. Mais ça a été un grand débat. Je pense qu'aujourd'hui, on est obligé, tout seul, un club, même nous, avec toutes les actions qu'on fait et de ce qu'on en fait, on peut pas être tout seul encore. C'est trop fragile, on n'a pas assez de jeunes. Donc voilà, on a fait le choix d'accepter, donc on va démarrer à 3 clubs. S'il y a des questions à ce sujet, parce que je sais que ça fait un peu débat, je suis prêt à... Pourquoi les enseignants, ça bloque ça? Niveau jeune, tu passes l'entente. Pourquoi au niveau senior, tu ne peux pas une entente? Déjà, pour une entente, c'est compliqué. Demander aux éducateurs, à l'encadrement autour, à nous, il faut que tous les clubs soient dans la même vision et la même direction et qu'on travaille tous pareil. Là, aujourd'hui, on va essayer de faire ça. Donc, de toute manière, tant qu'une entente chez les jeunes ne marche pas, on peut même pas prendre l'hypothèse de la faire en senior, c'est pas possible. Et puis voilà, on a une ville, on a des jeunes, je pense que encore la question ne se pose pas, et je pense qu'elle n'est pas prête de se poser, quoi. On est prêt encore à assumer nos seniors, il n'y a pas de souci. Mais on voit bien que les jeunes, c'est de plus en plus compliqué. Et aujourd'hui, les jeunes, nos juniors, n'ont pas trop gagné de match pendant 2 ans. On est obligé de s'associer pour avoir des équipes compétitives. Si on ne s'associait pas aujourd'hui avec Montignac, on avait des cadets, des juniors qui tournaient à une vingtaine de gamins en effectif, une petite vingtaine. Donc c'est très compliqué, ça fait des années qu'on leur demande de faire des efforts. Donc voilà, on essaye, on est parti sur 1 an, on a signé une convention que sur 1 an. Donc on voit sur l'année comment ça se passe. Si ça se passe pas et mal, on reviendra en arrière. Si ça se passe bien, bien on continuera. Toi, ce que tu dis, c'est des fusions, c'est même pas des attentes. Moi, je ne voulais pas prendre la fusion même. Nous, notre projet depuis le départ, et vous savez, c'était pas juste de composer une équipe, c'était d'amener des gamins à jouer au rugby. Et quand Fred et nous tous accueillir les gamins qui jouent pas d'habitude, pourquoi on le fait, nous, tout ça? On le fait pas juste pour jouer en honneur ou en fédéral 3. On le fait parce qu'on pense que le rugby apporte aux gamins, filles et garçons, que ça les aide à se construire dans la vie. C'est pour ça qu'on le fait, parce qu'on croit dans les valeurs de rugby. Donc quand on croit dans les valeurs de rugby, le but c'est pas juste d'être les meilleurs possibles du quartier. Le but c'est que le plus possible de gamins jouent à ce sport. C'est ça notre but à nous. Très clairement. Après, parfois, il y a des circonstances qui font que on voit bien, il faut trouver l'équilibre entre l'accès à la pratique et être compétitif, parce que si on n'est pas dans l'équilibre, ça dégoûte, donc ils arrêtent. Voilà, il faut trouver le bon équilibre. Maintenant, dans l'absolu, nous on l'a dit depuis le départ, pour nous, globalement, de manière générale, les ententes sont un vrai problème pour le rugby. Parce que justement, à cause des ententes, parce qu'en fait, toutes les raisons sont bonnes pour faire des ententes. C'est-à-dire que c'est plus facile pour les effectifs, etc., etc. Mais au final, si on ne met pas des choses en place à côté comme nous on le fait, on tombe dans la facilité, on ne recrute pas de gamins. Et ce qui se passe après, c'est que les clubs ils se font des cartes clochées pour 2 joueurs. Parce qu'il n'y a pas assez de joueurs. Donc nous, ce n'est pas parce qu'on fait une entente, parce qu'on en a besoin dans les circonstances du moment, qu'on ne va pas continuer à ramener des gamins à la pratique. Cet été, donc vous savez, on a lancé ce qu'on avait lancé en 2020, l'été, après le Covid. Cet été, tout l'été, Zozo va animer avec l'aide des éducs qui seront dispo les jeudis soirs avant les Saint-Sours. Il va animer
une animation rugby, appelons ça comme ça, ouvert à tout le monde, pour essayer d'attirer les gamins. On continue les stages, vous savez que cette année on avait déjà lancé les stages, des vacances, maintenant on fait du soutien scolaire pendant nos stages de vacances. On développe beaucoup de choses, on va continuer. On devait pas prendre le BPJEPS en plus, on avait dit que voilà, mais finalement on prend un BPJEPS pour aider Théo, notamment pour garder notre ancrage dans les écoles. Et pourquoi nous, si on pouvait, et je sais qu'on est filmé, mais c'est pas grave, si on pouvait tout seul, on serait tout seul. Parce que ça a plus de sens pour le rugby, pour nous. Et il faut plus de. Il faut que les clubs travaillent davantage pour attirer des gamins au rugby. C'est pas inéluctable. Pourquoi nous, on n'a pas inventé l'eau chaude? Pourquoi nous, on est passé de 30 à 70? Parce qu'on s'est bougé le cul tous ensemble. Voilà, c'est sûr que c'est du boulot, c'est sûr que. Mais c'est pas irréversible, c'est pas inéluctable. Donc il faut que les clubs se bougent le cul, parce que non, les ententes ne sont pas des solutions, c'est des solutions par défaut, et ça tue les petits clubs. Nous, on souhaite que demain, le Lardin continue à avoir un bon club pour leur ville, que Montignac continue à avoir un bon club pour leur ville, parce que, si imaginons qu'on fait une fusion, les vieux des villages, ils font quoi tous les 15 jours? Enfin, pour ceux qui aiment le rugby. C'est ça aussi le sport, c'est la vie des villages. Après, ça change quoi? Dans l'absolu, nous, on a envie de jouer le plus haut possible, bien sûr. Mais l'important, c'est surtout qu'il y ait un club qui vive et que les gens puissent se retrouver et partager des moments à 100, 200, 300, 400 le dimanche autour d'une balustrade. C'est ça, notre boulot. Voilà. Donc, c'est au-delà de... Et on pense, en plus, que ce sera beaucoup plus lent, mais les résultats seront beaucoup plus profonds et solides de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, pour répondre... je veux juste rajouter un mot parce que on a évoqué le franchir un palier sportif est indispensable pour toutes les équipes. Il faut qu'on soit plus compétitif. Donc ça veut dire que, ben voilà, que ça bosse. Il y a un autre chantier de cette deuxième phase qui est de trouver une structure, un fonctionnement pérenne. Voilà, quand même, il faut le dire, on a la chance d'avoir des gens qui s'investissent, mais l'air de rien, trois personnes de bureau qui démissionnent, c'est beaucoup. C'est la preuve que c'est usant. 4. Donc c'est la preuve que c'est usant, que c'est crevant. Donc il faut trouver absolument l'organisation qui permette que ce soit un tout petit peu moins usant pour tout le monde. Voilà, là c'est un vrai chantier, l'organisation. Et dans un climat le plus serein possible. Moi ce que je demande vraiment, c'est pas. Il y a tout. C'est-à-dire, c'est pas parfait. On est des êtres humains, on a toutes ces activités par ailleurs et tout ça. Donc ça marche pas à tous les coups. Tout ce qu'on fait, on fait des conneries, comme tout le monde. Par contre, on se parle, on se dit les choses, on avance, c'est ouvert, on est ouvert à la discussion, qu'on soit d'accord ou pas, même si on est tous un peu bourrus, et que aux premières réactions n'est pas toujours la meilleure, mais on entend tout, je pense. Et que voilà, il ne faut pas hésiter de dire, on a besoin de tout le monde, toutes les idées sont bonnes, et qu'il en va de la responsabilité de chacun là. Sur cette chaise, ça ne tombera pas du ciel, il n'y a pas d'homme providentiel. Ça n'existe pas, ça. Donc, chacun dans son rôle doit apporter son idée, son énergie, ses bonnes ondes. C'est aussi ça la clé de la pérennité du projet. Et le troisième chantier, c'est trouver notre vitesse de croisière économique la saison prochaine, on l'a évoqué tout à l'heure. Donc, on va être sur un budget de entre 220 et 230 000 euros l'année prochaine. Puisque pour l'instant, il n'y a pas de gros événements planifiés encore. On ne désespère pas d'avoir peut-être un match moins 18 ou moins 19 l'équipe de France l'année prochaine, mais c'est pas sûr encore. Donc, voilà, on réfléchit. Ça nous a tous fait beaucoup plaisir de retrouver un match franco anglais. Donc on réfléchit comment on pourrait relancer la petite PAC. Mais voilà, les équipes en pro aujourd'hui, c'est pas aussi simple. Donc vous savez que ça fait 3 ans qu'on a mis les challenges en Jean Montupé en stand-by. Parce qu'on avait des gros événements et qu'on ne voulait pas trop demander aux bénévoles. Mais on a très envie d'avoir une compétition de jeunes, un tournoi de jeunes original. Donc on réfléchit à ça. Et puis voilà, toutes les idées sont bonnes pour ça. Et ce que je n'ai pas encore évoqué, c'est que vous savez que dans les nouvelles ressources qu'on développe, on a lancé des séminaires pour les entreprises, on développe de la vidéo pour les entreprises, dans le cadre du sponsoring. Et à partir de dimanche prochain, va ouvrir grâce au soutien.